T'es content de passer cette journée avec maman? Oui, la main, mon cœur. T'as ton petit bonbon? On va où là? Au marché de Noël? Demain, on est en tournage toute la journée avec la prof, les filles. Du coup, bah, je les promène aujourd'hui, je les sors, mes petites vies. Let's go. C'est un trop bon moment, je peux être avec ma petite famille d'amour qu'on est réunis. Ça fait super longtemps qu'on n'était pas. Ça va, mon cœur? Tu passes un bon moment là? On te voit pas? C'est quoi, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont critiqué hier? Attends. Son look. Alors en fait, son soi-disant sac à main que tout le monde a critiqué. En fait, c'est une sacoche en mode bandoulière comme ça. Et il met en sac. Mais sache que, écoute, sache que moi je te dis que t'as un vrai flow et je vais dire, viens, mon cœur, attention. Et je te dis un truc, Alan. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont grave stylés, qui ont dit, vous connaissez rien, elle est bien sapée. Donc t'inquiète pas. Par contre, là, juste le bonnet de Peter Pan là où. C'était vraiment dans le thème elfe, Noël et tout là-bas. On dirait un vrai elfe. Hello ma bombe, t'es parisienne? Coucou, oui. Oh, coucou. Oh, coucou, toi aussi. Vous êtes enfant? Oui, on est enfant. Ah, ça va? Oui, enfin, un coucou. Qu'est-ce que tu choisis, princesse? Y'a quoi d'écrit là? La pizza, papa pizza. Mais t'as lu quoi là? C'est écrit quoi? Tu veux quoi? C'est bon, t'as choisi ou pas? On doit passer la commande. Du coup, t'as pris quoi? It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you... Elles font peur les poupées si je te l'achète en avion. Et le dernier m'avait dit quoi? Donc il n'y a pas. Vous avez pris quoi? Je sais plus ce qu'on a. Il y avait champagne. Alors c'était comment? Bien. Bien. Allez, on y va, c'est fini. On va faire un autre. Allez, venez. Ça va, tranquille. Alors qu'est-ce que tu nous prépares? Là on te prépare un truc de ouf là. T'es prête ou pas? Ouais. On va te changer là. Ouais, on va tout nouvelle changer. Nouvelle DA, nouveau style. Ouais. Non, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Alors le look à Alan hier, dis-moi non, ce que. C'était quoi le problème? Le petit problème c'était qu'elle était légèrement courte. La veste? Un peu, ouais, un peu plus long ça aurait été bien, tu vois. Ok. Mais franchement, niveau court et tout, c'est grave tendance, les côtés crop et tout, franchement non. Moi j'aime bien. Moi, t'es validé là? T'es de quoi ou pas? Interdit. C'est interdit. C'est oui. Le premier dessin à qui ça? Coucou mes pompes, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais trop vous faire ma petite story sourcil. J'ai trouvé une petite ring light dans ma chambre d'hôtel, donc c'est parfait, je peux vous en parler. Je vous ai mis vite fait, brièvement, un petit TikTok, mais je voulais quand même vous parler
de mon expérience personnelle. Alors pour les poupettes qui me connaissent et qui me suivent depuis 5 ans maintenant, vous savez que de ma vie entière, je n'avais jamais touché à mes sourcils. Donc c'est comme si je te dis, je sais pas, de ma vie, j'ai pas touché à mes cheveux et tout. Donc on est d'accord que la première expérience, on veut pas qu'elle soit chaotique, surtout que c'est un grand pas dans une vie. Donc je me suis dit, il faut que je trouve pour moi le meilleur, les meilleurs au niveau du sourcil. C'était obligatoire pour moi. J'ai cherché. Je me rappelle qu'une fois, je vous avais demandé parce que je voulais me lancer, vous m'aviez donné des contacts, etc. Et je suis tombée sur The Bar à sourcils. Je pense que vous connaissez, donc c'est une franchise. Et donc je suis tombée sur The Bar à sourcils. Et à ce moment-là, j'ai vu leurs avant-après qui m'ont genre choquée. Je vais vous les mettre et je me suis dit, je veux exactement ça. Et donc j'y étais, les yeux fermés, ok ? Quelques jours. Le stress m'envahit, les filles. C'est la première fois que je vais faire mes sourcils. Je sais pas, j'ai pris la décision. Nouvelle vie, nouveaux sourcils. Donc, c'est la dernière fois qu'on me voyait comme ça. Apparemment, ça change tout au visage, on verra. Oh, j'espère ne vraiment pas regretter. My God. Alors là, pour trouver le salon qui allait me faire les sourcils, j'ai fait tous les salons d'Instagram. Je me suis dit, ok, lui, je pense que c'est le meilleur. Vas-y, on prend celui-là. Donc là, j'en ai choisi un. Si c'est réussi, vous pouvez tout y aller, franchement les filles, parce que moi et mes sourcils, vous savez à quel point c'était tellement important. Alors là, si c'est réussi, vous pouvez tout y aller en courant, genre limite c'est moi qui vous accompagne. Je fais le cobaye pour vous là. Si c'est raté, vous verrez cette story, mais je mettrai pas la page du salon. Voilà. Le stress les filles, c'est... Oh my God, mes sourcils. Tellement, elles m'ont toujours dit, fais tes sourcils, ça va tout changer, fais tes sourcils. Bon bah là, je suis lancée. Quand je te parle de ça, je te parle de la lumière du jour. Non, la lumière du jour, c'est de la lumière du jour. Vas-y. Ah, c'est magnifique, non? Magnifique. Ah non, mais c'est regarde, il est incroyable. Je le prends, j'ai le temps. Par contre, je vais vraiment casser le cul, ça. C'est un peu... Non, je vais garder ça comme naturel. Bon, pareil, et tu te frottes vers le bas. Il n'y a pas un zebra sourcil à Rouen? Non, pas à Rouen. On en avait un à Caen. Ton attest? De l'autre côté? Parce qu'elle représente le naturel. Poupette, je pense que vous pouvez foncer les yeux fermés. Si moi j'ai fait confiance pour mes sourcils, vous savez comment je suis accro à mon naturel et tout. C'est que vraiment vous pouvez. Les yeux fermés, je sais qu'il y a un bar à sourcils à Bordeaux, il y en a du coup sur Paris, il y en a plusieurs, etc. Franchement, si vous voulez des sourcils faits à la perfection, ils font tout. Hein. Ils font microblading, ils font micro-shading, ils font l'épilation, ils font la restructuration sans épilation, les filles. Moi, je voulais vraiment du changement, du coup, voilà. Ils font tout, ils font même les lèvres, enfin, ils font la totale. Si vous voulez une adresse, maintenant que j'ai fait le cobaye pour vous, maintenant que je l'ai validé, c'est ici. Et pour toutes les poupettes qui veulent aller chez le bar à sourcils pendant un mois, vous avez moins 10% sur toutes les prestations et sur toutes les formations si vous venez de ma part. Donc je vous mets ça juste après. C'est un mois là. Pendant un mois là, vous allez faire vos sourcils moins 10%. Ok ? Chez le bar à sourcils. Donc pour les clientes, parce que c'est une très grande chaîne pour les clientes, bah, vous pouvez utiliser mon moins 10%. Et pour les nouvelles, bah, vous pouvez vous lancer les yeux fermés. Rebe petite chérie, j'espère que ça va. Du coup, fin de journée, je suis éteinte de chez éteinte, je pense que ça se voit. Je suis hyper fatiguée, on a trop bien profité. Vous entendez les enfants, eux ils débordent d'énergie, c'est difficile, on a tout fait aujourd'hui. Marché de Noël, on a fait la totale, mais finalement, ils sont trop énergiques, mes petits dieux. Du coup, là, demain. Please, j'ai besoin. Excusez-moi!
Est-ce que je peux parler, on m'entend pas, s'il vous plaît? Donc je vous dis, demain début de tournage à 8h, faut que je rentre d'ici à 6h30, le temps des bouchons parisiens, ramener le petit-déj à toute l'équipe et tout. La vidéo, je vous ai dit là, je la sors quand? On la sort dimanche pro. Parce que voilà, un montage pour le lendemain, c'est pas possible. Donc là, ce dimanche, je vous sors la vidéo du vlog que j'ai tourné, le retour en France. Donc, j'étais pas sur les réseaux, j'ai tourné un petit vlog quand j'ai retrouvé ma famille, quand j'ai retrouvé l'appartement, pardon, quand j'ai dit au revoir à Maria. C'est pas définitif, on la revoit. Eh, mais attendez, autre chose que je voulais vous dire, parce que je crois que vous avez pas compris. J'aime bien la petite coupe comme ça, vu que j'ai coupé la main. J'aime bien, ça fait femme. Je sais pas si je vais faire ça demain, mais pour la vidéo, mais non. On rentre sur Dubaï, hein. Je vous ai dit qu'on déménageait, mais on déménage pas maintenant. On déménage au mois de juin. Là, je laisse ma fille finir sa scolarité, finir son année scolaire. Donc l'année scolaire, elle se termine en juin. Et de toute façon, le contrat de l'appartement, il est jusqu'en juin. Donc là, je laisse ma fille finir sa scolarité et ensuite, on rentre. Purée, cette pustule-là ne va pas s'enlever. Demain, je l'aurai pour tournage. Ensuite, on rentrera au mois de juin. Donc là, on va rentrer sur Dubaï le 1er janvier. Non, le 31 décembre. 31 décembre, on rentre, on a le vol. Bah, parce que Sana, elle a la rentrée premier, quoi. Donc oui, on rentre sur Dubaï. T'as dit quoi, Nus? T'as trop géré, Kenza. C'était trop bien. Oh là là, non, bien. On va bien manger là. Attends. Alors, le styliste? On a les bagages, on a tellement de trucs. On a de quoi ou pas? Ouais, attends, viens, on les spoil pas. On les spoil pas. Ah, vous spoilez. Quelques minutes après, je vous pique. Je la trouve sexy. Je la trouve sexy. Arme, toi qu'on nexy. Fuck le sexy. Peine d'encore une victime. Je la trouve sexy. Thank you.
y a le massage, hein. Chanel sur ma pipe, yeah. Kalashnikov et j'active, yeah. Aïe, j'ai chopé la tripe, yeah. Vite en fait ma fille à coup, yeah. Donne pas de love à des groupies, yeah. C'est la grenade que je découpe, yeah. Quelques minutes après j'oublie, yeah. Je la trouve tu bombes.